Graf est arrivé, instantanément, on dirait qu'il a été relégué à l'assistant de Raph. Est-ce que je suis le seul à avoir vu ça ou est-ce que vous l'avez vu aussi? Est-ce qu'on peut balancer un petit sondage autant sur TikTok que sur Twitch, s'il vous plaît? Parce que moi, j'ai eu l'impression que Toto, entre la première semaine où bah c'était cool, le mec, il prenait la parole, il jouait le rôle de médiateur, il analysait les situations, il avait trouvé un peu sa place. Sa place, il l'a perdue. Hein. Depuis que Raph est arrivé, c'est devenu son assistant. T'as l'impression que genre c'est dès que Raph dit un truc, il le soutient, genre on a l'impression qu'il retrouve son Raph des anges de l'époque. Genre il retrouve son chef quoi, comme un militaire qui aurait été à la guerre genre il y a 20 ans et il est devenu genre pas du tout un mec en mode armé, mais il retrouve son supérieur et genre c'est comme ça. Sir, yes sir. Vous voyez ce que je veux dire? Genre les vétérans de guerre un peu. Voilà, vétérans de guerre. Genre... Sir! Yes, sir! Moi, j'aimais bien Toto la première semaine. Voilà, j'aimais bien Toto la première semaine. Dans ce rôle un petit peu du sage. Bon, voilà, du mec à l'ancienne qui en a connu beaucoup, qui s'est rangé, qui est plus dans... voilà, les histoires d'amour, où il est plus dans la violence ou quoi. Je l'aimais bien, ce retour de Toto-là. Le retour de Toto, qui retrouve son supérieur hiérarchique, qui retrouve son coach. Depuis que Raph est arrivé,